Bonjour et bienvenue sur ContonLine Info. Au sommaire cette semaine, tenue de comptabilité, proposition des experts comptables et mesures de simplification fiscale. La tenue de comptabilité a beaucoup évolué au fil du temps. Après les machines à écrire, c'est au tour des ordinateurs et d'Internet. De nombreux gains de productivité ont ainsi été réalisés. Ils ont majoritairement profité aux clients. Et ce n'est pas fini. La production comptable devient peu à peu une mission sans valeur ajoutée, une mission fossile. Les machines pourraient bientôt remplacer l'homme. Pour sortir de cette mission traditionnelle, le cabinet doit se réinventer. De plus en plus de clients demandent des prévisionnels, du conseil, un véritable accompagnement. Le projet Eureka est un projet qui a permis de rassembler les idées des experts comptables pour la croissance. Un grand nombre d'idées a été récolté, les 5 premières ont été présentées au ministre de l'Économie le 29 juin 2015. En voici deux exemples. La première idée devait permettre de supprimer bon nombre de déclarations. C'est le compte numérique de l'entreprise, l'administration venant chercher elle-même les informations. La deuxième idée consistait à créer un statut unique de l'entreprise individuelle avec un patrimoine séparé de celui du chef d'entreprise. Une ordonnance du 18 juin 2015 modifie certaines obligations déclaratives des entreprises. Elle supprime la déclaration spécifique de CICE et permet de déclarer plus de taxes sur la NETS à la déclaration de TVA. La taxe sur les métaux précieux par exemple, l'ordonnance supprime aussi le choix d'une autre date, possibilité qui était prévue par les TETS pour les déclarations annuelles. Enfin, les produits de participation distribués au sein d'un groupe fiscal ne seront plus déclarés sur l'imprimé fiscal unique. Toutes ces dispositions s'appliquent à des dates différentes. Vous pouvez accéder gratuitement à tous nos articles sur le site ContonLine, vous retrouverez les liens en dessous de la vidéo. Toute l'équipe de la rédaction vous souhaite une bonne semaine, de bonnes vacances et vous donne rendez-vous à la rentrée.